J'ai mal au crâne. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh, what? Un zoonomalie? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Je crois que c'est Monster Rabbit. Oh, waouh. Mais attendez, mais c'est effrayant. Oh, what? Le zoonomalie est parti dans le labyrinthe. Mais qu'est-ce que je fais à côté d'un labyrinthe? Enfin, qu'est-ce que je fais à l'intérieur même de ce labyrinthe? Je ne peux pas sortir. Oh, vous êtes tous là? Oh, what? Ouais, le diabolo. On l'a vu aussi. Il y a Kilowatt, il y a Biomix, il y a l'alien, il y a le petit croco. Mais vous l'avez vu? Bah, c'est un zoonomalie, Biomix. Il est parti dans le labyrinthe. Oh, waouh. Ok, c'est super effrayant. Ça veut dire qu'il y a des zoonomalies, à mon avis, dans le labyrinthe. Et ils étaient en train de nous observer pendant que nous étions en train de nous réveiller. Mais comment ça se fait que nous sommes ici? C'est vraiment effrayant. Ok. Et vous avez vu ces immenses murs? On ne peut pas passer de l'autre côté. On est littéralement coincé à l'intérieur de labyrinthe avec les anomalies. Ok, bon, il va falloir sortir d'ici. Mais attendez, mais les mecs, vous avez des petits lits, des matelas, une baignoire pour la Poiscaille? Alors que la Poiscaille n'est même pas là. Ok. Ouais, je me suis réveillé dedans, Ah, ok. Il me manque sacrément la Poiscaille, j'espère qu'on va bientôt le retrouver. Bah oui, j'espère aussi, Croco. Bon, c'est vrai que c'est étrange tout ce qui vient de se passer. Attendez, j'ai vu quelque chose dans le labyrinthe là. Oh! What? Mais non, mais c'est pas possible! Il y a Pingu! Pingu! Mais il est dans le labyrinthe lui. Mais il est où? Il est dans le labyrinthe dedans. Ah, mais what? Ah, ok, je l'ai vu vite fait, sa petite tête dépassée, ok. C'est bien qu'il y a aussi Pingu. Non, mais Pingu, tu vas pas me dire que ça fait encore une semaine que t'es déjà dans le labyrinthe? Tu ne devineras jamais, mais ça fait une semaine que je suis dans le labyrinthe. Mais c'est pas possible, à chacune des vidéos, on se retrouve coincé dans certains endroits, et là, on est coincé dans un labyrinthe avec les anomalies. On vous envoie pour nous aider. C'est vraiment suspect tout ça, mais du coup, il va falloir qu'on arrive à sortir d'ici. Pingu, t'as toujours pas trouvé la sortie? Non, il y a un bâtiment géant, mais je trouve pas le chemin pour l'atteindre là. Ok, ok, donc il faut qu'on arrive à rejoindre ce bâtiment géant qui nous fera peut-être sortir de ce labyrinthe tout en sachant qu'il y a potentiellement des anomalies. Ok, j'ai hâte de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce bâtiment. Vous pensez qu'il y a quoi à l'intérieur de ce bâtiment, les abonnés? Ça doit être incroyable, il doit y avoir tellement de choses. Je sais pas, remarque, ça se trouve, il y a rien du tout et on pourra même pas sortir en étant là-bas. Mais c'est sans doute notre porte de sortie. Mais attention, par contre, il y a aussi beaucoup de anomalies à l'intérieur. D'ailleurs, Pingu, t'as croisé des anomalies à l'intérieur? Non, non, aucune pourtant. Ok, d'accord, pourquoi j'ai vu un anomalie? Ok, bon. Oh, what? On peut descendre par là? Oh, c'est effrayant. Ok, d'accord. Il y a clairement un cadavre juste ici. Oh, waouh. Oula, il s'est passé des choses extrêmement étranges. Oh, il y a un anomalie juste là. Attention, 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 attention. Oh, mais Pingu, Pingu, tu m'entends? Oui. Tu n'es jamais descendu dans les souterrains du labyrinthe? Non. Ah, c'est sûr que les anomalies se cachent à l'intérieur. Ok, bon, du coup, il ne faut pas qu'on passe par les souterrains du labyrinthe. Mais oh, imaginez si c'est par les souterrains du labyrinthe qu'on doit sortir. Oh, what? Ok, bon, déjà, on va se charger de rejoindre la tour. Peut-être que déjà, en arrivant à cette tour, on pourra sortir de ce labyrinthe. Allez, c'est parti. On rentre à l'intérieur du labyrinthe. Let's go, le labyrinthe des anomalies. Ok, c'est parti. Ok, ok, ok. Bon, attendez, attendez, il faut tous qu'on se suive. Parce que sinon, bah, on risque de se perdre à l'intérieur du labyrinthe. Et Kilowatt, t'es perdu? Non. Kilowatt, c'est déjà perdu? Attendez, mais il y a plus que toi, Biomix, l'alien. Avec l'odeur, on va vite le retrouver. Je suis là. Ok, 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 ok. Il y a Pingu. Pingu? Ah, Pingu, t'es là. Ok. Alors, pour aller vers la tour, il faut qu'on aille vers où? Vers là-bas? Par là. Ok, c'est parti, let's go. On continue. Merci, Pingu. Ok, 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 ok. Du coup, là, les abonnés, on essaie de rejoindre la tour. Et j'espère qu'en rejoignant cette tour, on va pouvoir sortir de ce labyrinthe sans croiser trop de anomalies. Oh, ok, je préfère pas regarder ce que c'était. Un peu partout. Ouais, c'était un peu bizarre. J'ai l'impression que nous ne sommes pas les premiers à avoir été dans ce labyrinthe. Je pense qu'avant nous, il y a des gens clairement qui ont exploré ce labyrinthe et qui sont littéralement morts, je pense, de la main des anomalies. Et ça, c'est plutôt effrayant. Attends, c'est pas par là qu'on doit passer. D'ailleurs, tu es nos yeux, Pingu. Par où est-ce qu'on doit passer là? Alors, tout droit là. Plus à droite. Attends, tout droit par où? Par là? Ouais. Ok, ensuite à droite. À droite. Ok. Oh, Croco, t'es déjà là. Ok, d'accord, intéressant. Ok, ok, ok. Moi, ce que j'ai peur, c'est de tomber vraiment à tout moment sur un anomalie. Et ça pourrait vraiment m'effrayer. Allez, on continue, on continue, on continue. Ok. Ouais, t'es où? Kilowatt? Non! Kilowatt est perdu dans le labyrinthe avec les anomalies. Ok, ça c'est effrayant par contre. Ok, ok. Ça c'est vraiment effrayant. D'accord, ok, bon, on continue. Ok, à droite, à droite. Est-ce que, Pingu, tu vois la tour? Il n'est même plus là, Pingu. Attends,
On est plus que toi et moi, la mienne. Non. Ah non, il y a Biomix, ok. Y a, ah, ok, il y a le croco, mais il y a Kilowatt qu'on l'a littéralement perdu dans le labyrinthe, et ça, c'est effrayant. Oh, c'est ça l'avantage. Ah, oh, je l'ai retrouvé. Non, Pingu, t'es tombé à l'intérieur du labyrinthe avec nous. Nos yeux. Je suis là. Tu nous as retrouvés. Ok, let's go, on est tous réunis. Incroyable. On est tous réunis à l'intérieur de ce labyrinthe et on avance. Il y a plus croco. Petit à petit, vers la tour. Oh là 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 là, j'ai tellement hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette tour. Et si on peut sortir, on s'en rapproche tellement, les mecs, c'est incroyable. Ok, alors. Attention parce que le croco il est parti dans un chemin tout seul. Et oula, Pingu on s'est séparé là. Ok ok ok. Il faut retourner la tour. Ok, la tour elle est là-bas. Ok 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 ok. Bon, pour l'instant, même si c'est le labyrinthe des anomalies, en vrai on n'a pas croisé beaucoup de anomalies. Je pense qu'ils sont tous à l'intérieur du labyrinthe souterrain. Et le problème c'est que le labyrinthe souterrain, peut-être que ce sera le seul moyen de sortir d'ici. Il faut déjà qu'on aille voir la tour et après on ira voir dans les souterrains. Ok, Pingu, attention parce que là on est tous en train de se perdre. Nous on est arrivé avec Kilowatt. Ah ouais. Ouais. Ok, bah attendez, j'essaie de venir avec vous. Ok ok. Ok, vous avez trouvé l'entrée? Ok, et on peut trouver l'entrée de la tour? Oh, j'y suis! Ok, il y a la tour, elle est immense! Ok, nous sommes tous réunis devant cette tour et nous allons rentrer! On va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur! Oh, waouh! Je vois déjà beaucoup de choses! Attention, il y a un anomalie! Il y a littéralement un anomalie! Quelqu'un veut y aller en éclaireur, Biomix? Tu veux pas aller voir vite fait? Vas-y, vas-y, vas-y! Ok, attention, attention, attention! Il bouge, il bouge, il bouge! Oh, il essaie de vous croquer! Oh, vous avez vu, il essaie de vous croquer directement. Ok, il va falloir qu'on le bute à mon avis. Attends, si je m'approche, est-ce qu'il essaie de me croquer? Oh, oh, il essaie clairement de nous croquer. Bon, je pense qu'il va tirer dessus. Tirez-lui dessus, tirez-lui dessus. Ok, il faut qu'on arrive à l'avoir. Ok, ok, ok. Oh, j'ai l'impression que là, il est en train de souffrir. Ok, on va peut-être l'avoir. Ok, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Il faut le buter, il faut le buter. Oh, attention, attention, attention l'alien. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? On l'a vu? Ouais, on l'a tué. Ok, let's go. Grenade. Ok, attention, attention. Oula, 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 oula. Ok. Oh, nous sommes à l'intérieur de la tour. Ok. Let's go. Wow. Par contre, il y avait clairement un anomalie à l'intérieur qui protégeait. Oh, c'est quoi qu'on voit là-haut? Il y a... Ah, il y a un pigeon, d'accord. Ok, bon, on va monter. On va voir si on trouve des choses intéressantes là-haut. Allez, c'est parti. On monte, on monte, on monte. Oh là 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 là, les mecs, je suis hypé. Oh, c'est incroyable. Ok, 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 ok. Et oh, what? Oh. Il y a une baignoire, bizarre. Mais en fait, on peut clairement pas sortir par ici. On est juste en haut d'une tour. Ok, j'ai une idée par contre. Ce que l'on va faire, c'est que du coup, vous avez vu, les anomalies ont l'air d'être à l'intérieur du souterrain du labyrinthe. Ça veut dire sous ce labyrinthe. On va devoir y aller. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on ait une petite forteresse dans laquelle on peut se réfugier au cas où, bah, si les anomalies sont vraiment trop nombreux. Du coup, ça vous dirait qu'on établisse un petit campement forteresse ici? Vous êtes chaud? On fait une petite forteresse? Moi, je suis chaud, moi. Ok, let's go, c'est parti. Construction de forteresse vs les anomalies. Parce que je pense que les anomalies vont arriver un peu à droite, à gauche. Oh, what? Pourquoi est-ce qu'il y a de la fumée un peu partout dans le labyrinthe? Oh, what? Peut-être il y a des anomalies. Oh, il y a peut-être des anomalies qui sont arrivées. Ils ont lancé une alerte comme on est dans la tour. Oh, what? Ok. Ah, j'avoue que c'est possible. Ok, c'est parti. Construction de la base. Let's go. On fait une petite forteresse juste ici. Le but, c'est qu'on soit un petit peu aménagé et que. Bah, on est. Ah! Oula! Oula! Je suis tombé! Oh, j'ai failli mourir! Oh, what? Ok, j'étais vraiment à deux doigts de mourir. Ok, la tour, on va la fermer en bas. Est-ce que quelqu'un tient l'alien? L'alien, viens avec moi. L'alien. Oui. Vas-y, viens. Genre, essaye de fermer, tu sais, avec une petite porte ou je sais pas, en bas là. Comme ça, on peut. Il y a plus de personne qui peut rentrer de la tour. Tant que nous sommes là, voilà, et ce sera vraiment parfait. Ok, let's go. Je remonte. Ok, les mecs, donc là, ça va être notre forteresse. Et à mon avis, une fois qu'on va aller dans les souterrains et que tous les anomalies vont arriver, eh bien, ce sera peut-être la forteresse dans laquelle on va se réfugier pour combattre les anomalies. Let's go! Sachant que les anomalies sont très très nombreux. Ok, les petits canapés, j'aime bien ce que tu fais, Kilowatt. Ok, oh, waouh! Oh, attends, mais Biomix, c'est quoi comme matériau? Ça, c'est clairement de l'acier ultra résistant. Oui, c'est de l'acier. Ok, let's go. Un scientifique, c'est normal. Ok. Bon, bah du coup, les mecs, on est en train de commencer à faire la base. Et c'est plutôt très stylé. Pingu, je te pense qu'il faut mettre exactement le même matériau que regarde, il a mis Biomix. Je pense que c'est vraiment très résistant. T'en penses quoi? Bah, on va tester de toute façon, hein. Mais bon, vas-y. Oui, regarde, il va le faire. Sans Biomix, il fait les matériaux. Donc c'est bon. Voilà, let's go. Ok, c'est parfait. Ok, let's go. Bon, le but, c'est que vraiment, on soit dans une petite forteresse. Donc là, on est plutôt pas mal. Il faudrait qu'on ait des petites ouvertures, par contre, pour voir. Parce que là, du coup, ou alors, peut-être un petit escalier pour pouvoir monter en haut. Et voir, ouais, je sais pas. Ok, let's go. Parfait. Du coup, là, les mecs, on est littéralement en train de faire la forteresse dans laquelle on va combattre les anomalies. Oula, il y a une rampe qui est partie dans le labyrinthe. Je crois que. Ok. Ok, let's go. Ah, là, on commence à être vraiment pas mal. Pourquoi est-ce que. Croco, pourquoi est-ce que tu mets une tombe? What? Attends, mais c'est. Oh, moi, j'ai la poiscaille. Oh, mais oui, la poiscaille qui a disparu. J'espère qu'on le retrouvera très bientôt. Il est mort dans la dernière vidéo, mais j'espère qu'il reviendra à nous. Voilà. J'espère que c'était un faux poiscaille qui est mort. Voilà, ok. Bon, du coup, là, la base.
base, elle est bientôt finie. Ok, là c'est l'escalier pour pouvoir monter. Ok, incroyable. Donc là, il y a Biomix qui est en train de faire du coup les murailles de l'arrière de la base. Incroyable, c'est vraiment parfait. Ok, là c'est top. Là j'aime bien ce qui est en train de se passer, les mecs. J'aime bien ce qui est en train de se passer. Et là, je vais descendre. Est-ce qu'on peut descendre encore à l'intérieur de la base? On peut plus descendre. J'ai fermé. Ah, t'as fermé l'accès? Ah, mais il faudrait qu'on puisse descendre. Hein. Faut pas que tu fermes. Ouais, faut qu'on puisse descendre. Parce que après, on va devoir sortir et aller du coup dans les souterrains du labyrinthe. Découvrir les anomalies. Ah, let's go. Ok, oh, parfait. Ok, là c'est vraiment nice. Donc là, on peut descendre. Ok. Ok, ok, ok. Je vais voir ce que l'alien il a fait au niveau de la porte. Ok, ok. T'es toujours là, l'alien. Ah ouais, tu bosses lentement. Ouais, je suis toi. Toujours là. Bah, je trouve pas une porte qui fonctionne en fait. Bah, au pire, tu mets juste une petite paroi, un truc, tu vois, qu'on fera bouger tout à l'heure, tu vois. Juste une petite paroi, en vrai, ça suffira. Et là, du coup, oh, ok. Oh, voilà, bah voilà, ça c'est parfait. Voilà, quand tu veux, tu trouves. Voilà, c'est nice. Ok, let's go. Je suis enfermé dehors, du coup. Non, mais c'est pas grave. Vas-y, re-rentre à l'intérieur. T'inquiète, re-rentre. Je vais te filer les clés. Vas-y, tu peux rentrer et tu vas pouvoir rentrer. Ok. Bon, là, je pense que la base, on en a près à combien pour cent de la base? On l'a bientôt fini? Ouais, bientôt, ouais, c'est rapide. Ok, let's go. Ok, 80% de la base, les gars. Et ensuite, on va aller chercher les anomalies. Ok, est-ce que vous avez hâte de voir les anomalies? Ça va être une dinguerie. Ok, oh what? Attends, mais la base, elle est incroyable. On peut même monter sur le toit. Oh what? Ok, c'est vraiment stylé. Oh ouais, d'accord. Là, j'aime bien. On a les petites tourelles et tout. Oh oui, d'accord. Ok, là, j'aime beaucoup. Regardez. Oh waouh, incroyable, regardez. Là voilà, là où il y a de la fumée. D'ailleurs il y a de la fumée un petit peu tout le temps, hein. C'est vraiment effrayant. Ça veut dire que les anomalies se rapprochent peut-être de la tour. Ouais, on découvrira tout ça. Ok, bon, on va redescendre. Ok, 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 ok. Hop, on descend tranquillement. Hop, voilà, ok, là. Oh, le petit coin, oula. Là j'espère que ce sont juste des coca. Voilà, et du coup là on a un petit coin canapé, télé. Oh, on est vraiment bien là, j'aime beaucoup ce petit salon. Ok, là c'est cool, ok, let's go. Ok, ok, oh, what, c'est quoi ce matériau? C'est bien le petit salon là. C'est du plexiglas. Ah, c'est pour voir à travers. Oh, incroyable. Bon, oh, ça marche pas trop bien. Mais... Ah ouais, il est un peu déformé le le labyrinthe. Ok, d'accord. Ok. Il y a le petit coin salon là. Ah ouais, franchement, il est incroyable. Franchement, magnifique, masterclass. Oula. Bon bah, je crois que la base, elle est terminée en vrai de vrai. Hein. Il met peut-être le matériau là pour le sol, changer le matériau du sol. Et après, je pense qu'on sera pas, mal. Oula, mais qu'est-ce que tu fais, Lumix? Oh what, c'est un miroir. On se voit. Ok, d'accord. Étrange. Notre base est enfin terminée. Elle est incroyable. Je vais sortir un petit drone de poche pour pouvoir vous la montrer. Let's go, c'est parti, drone de poche. Voici notre base, elle est incroyable. C'est dans cette base que l'on va combattre les anomalies. D'ailleurs, je crois qu'il y a déjà quelques anomalies devant la base. Ah non, ok, ok. Ce sont des défenses. Ah, ça c'est parfait. Oh, j'ai cru que c'était des anomalies. Le Monster Slim, mais non, ce sont bel et bien des défenses. Et ça c'est vraiment parfait. Ok, notre base est vraiment très cool. Donc là maintenant, on va devoir aller dans les souterrains du labyrinthe. Et c'est vraiment effrayant. Oula, attention, oula. Eh, l'escalier, il y a des petits problèmes de conception. Je suis tombé. Ok, attendez, j'en monte. Il faut sauter un peu là, quoi. Non, c'est bon, ok. Du coup, là, eh bien, il va falloir qu'on retourne au début du labyrinthe. Je pense que ça va être assez rapide. On va littéralement monter sur les murs, hein, comme t'as fait tout à l'heure, Pingu. Hein. Je pense que ce sera plus simple pour y aller. Oh, bah d'ailleurs, on peut y aller en voiture. Attends, je peux vraiment y aller en voiture? Je sais plus, ça passe les voitures d'urgence au cas où. Essayez, attention, attention, je vais essayer. Vas-y, attention. Vas-y, croco, attention. Je vais t'écraser le croco. Le croco, ouais. Vas-y, let's go. Je vais la voiture, mais je crois que ça fonctionne. Hein. Oula, 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 oula. Ok, bon bah ça va. Je suis tombé sur la muraille, je suis coincé dessus, mais c'est vrai que je peux sortir. C'est bon, je suis sorti, let's go. Ok, du coup là, regardez, il y a juste à rejoindre le début du labyrinthe. Je suis sur les murs. Ok, let's go. Venez, suivez avec moi, regardez. Voilà, voilà. Check le croco, let's go. Ok, incroyable. Donc là, on va pouvoir retourner au début du labyrinthe. Il est tombé. Regarde à droite, Diabolo. Il est tombé. Comment il a fait pour tomber? Non mais c'est quoi ce douze? Ah what? Je suis mort. Ok, attention, je vais faire le saut. Il faut pas que je tombe à l'intérieur. Ok, ok, c'est bon. Moi, j'y arrive parfaitement. Ok. Ok, je suis revenu au départ. Oh what, c'est un lac? Y'a quoi à l'intérieur du lac? Ok, pas de zonomalie, ça va. Oh, y aurait pu avoir un zonomalie, vous savez, le poisson d'ailleurs. En vrai, c'est possible qu'il y ait un zonomalie poisson à l'intérieur, hein. Oh what, regardez là-bas. Oh, 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 je vois très clairement quelque chose là. Ouh là là, attendez, je crois qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Je vais descendre. Oh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Attends, c'est lui? Je sais pas, c'est qui ça? Attends, oh, t'es en train de nager? Attention, attention. Ah, ah, ça. Oh, oh, c'est un anomalie, attention, 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 attention. Ok, il va falloir sortir. Ok. Bon, on va retourner du coup dans les souterrains du labyrinthe. Vous êtes tous là au start? Venez, venez, ouais, venez. On est là. Ok, let's go. Venez, venez, regardez. On est tous ici, regardez, venez. Oh. What? Quand c'est qu'un yacht à la base? Non mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas, sérieux? Ok, bon, du coup venez tous et on va descendre à l'intérieur des souterrains du labyrinthe. Je vais allumer ma lampe torche, let's go, c'est parti. Oh wow. Oula. Oula. Ok,
Qu'est-ce qui s'est passé ici? Une baignoire. Oh mais attendez, le corps il a disparu. C'est la sainte baignoire. Il a dû se faire manger le corps qui était juste là, mais par quoi? Oh waouh, ok. Bon bah c'est parti, est-ce que vous êtes prêts à explorer tout simplement ce labyrinthe souterrain? Oh waouh, c'est tellement effrayant. Oh, c'est 10 fois plus effrayant que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Oh, ok, et à tout moment, dites-vous qu'il peut y avoir des anomalies qui sont là. Ok, vous êtes tous là? Ok, tout le monde est là. Il y a Biomix, il y a l'alien. Attendez, il faut que je compte tout le monde. Attendez, mais what? Non, attends, il y a le coco. Ok, Pingu. Vous êtes derrière. Attends, non, mais là on se perd trop facilement dans ce labyrinthe. On se perd trop facilement. Ok, il y a la poiscaille. La poiscaille, il est devant, mais il a disparu. Attends, il était là, la poiscaille. Il y a des baignoires là, je le savais, c'est lui. C'est sûr que les baignoires c'était lui. Oh, ok, intéressant. Ok, Keeping ou Kilowatt, vous êtes là. Ok, on vous a retrouvé. Ok, c'est parti, let's go. On marche. Ok, c'est parti. On s'aventure de ce labyrinthe. Ok, je suis effrayé. Vraiment, je suis effrayé. Je suis complètement giga effrayé. Ok, on explore. Il y a quoi au sol? Ok, je crois que c'est du sang. Ça va. D'accord. Oh waouh, c'est vraiment effrayant. C'est sans doute par ici, par contre, qu'on peut sortir. Parce que si on n'a pas pu sortir dans la tour, à mon avis, on doit pouvoir sortir à l'intérieur de ce souterrain. Mais où est-ce qu'on peut sortir? Ça va être compliqué. Tout le monde est là, ça va? Ok. Pas de anomalies pour l'instant. On en a vu juste quelques-uns pour l'instant, mais je pense qu'à la fin, il y en aura vraiment beaucoup, à mon avis. Ok. On explore. Oh waouh, c'est vraiment grand. Hein. En fait, je pense que c'est vraiment le labyrinthe du dessus, quasiment la même taille, mais genre en souterrain quoi. Ok. Tout le monde est là? Attendez, petite pause, comme ça on vérifie que tout le monde est là. Attends, un peu perdu. Non, Kilowatt, il est perdu. Mais attends, il y a tout le monde qui est perdu là. Y a plus le croco, il y a quoi? Oulalalala, on est tous perdus à l'intérieur. Ok. Allô, vous m'entendez? Ok, ça c'est effrayant. Je suis au départ. Non, c'est pas possible. Ok. Oh, peut-être qu'on aille rejoindre Kilowatt, mais là nous on sait plus où on est. Le problème c'est ça. Ok. Au départ. Ok, on va voir si on peut rejoindre le départ. Ok. Il y a Zonomali. Oh, attention, il y a Zonomali qui est juste là. Oh, attention, c'est un Zonomali slime. Ok. Il est vraiment effrayant ce Zonomali. Il a pas l'air de bouger pour l'instant. Oh, il bouge. Attendez. Oh là, je crois qu'il veut clairement venir nous voir. Il veut peut-être qu'on sorte d'ici. Il faut peut-être qu'on sorte d'ici. Arrêtez de me bloquer. Mais il est bête ou quoi, cet alien là? Vraiment, il a 2 QI, c'est pas possible. Eh mec, t'es en train de me bloquer, je peux pas sortir. Ok. Bon, là par contre, attendez, on est en train de tous se perdre là par contre. Attendez. Là, attendez. Bimik, je suis avec toi. Les autres, je sais pas où ils sont passés. Ok, vous êtes tous là. Ok, let's go. Bon, on avance. Il faut qu'on retrouve le départ. Il faut qu'on retrouve le départ. Voilà, on est là. Quoi? Il y a des anomalies au départ? Il était derrière nous. Oh là là. Ok, vous êtes là. Ok. Il faut qu'on retourne au départ. Venez. Ok, vous savez comment retourner au départ? Ok. Let's go. Oh, courez! Il y a des anomalies? Il y en a là! Ok. Oh, il y a des anomalies! Attendez, il faut qu'on arrive au début. Je sais pas comment on va le faire. Non, attends, je suis dans un cul-de-sac. Attendez, j'ai vu une lampe là. Il y a quelqu'un qui est là. Oh là, je suis tout seul. Je suis perdu. Je suis littéralement tout seul. Oh, what, les abonnés, je suis tout seul dans le labyrinthe. J'espère que je vais retrouver mon chemin pour retourner au départ. Ok. J'entends plus personne en plus. Vous êtes là, vous m'entendez? Oh, je suis tout seul. Je suis littéralement tout seul. J'espère retrouver mon chemin. Oh, c'est effrayant. Et il y avait des anomalies en plus qui étaient là. Ok, oh là. Oh, je peux sortir par là? Non. Oh, quoi? C'est une feinte? Mais attends, mais c'est quoi? C'est horrible. Il me donne l'impression que je peux sortir alors qu'en fait, c'est une feinte. Quoi? Tu m'as retrouvé? J'ai entendu quelqu'un? J'ai entendu quoi ici, poiscaille? Oh, et ils se sont retrouvés la poiscaille? Attends, vous avez retrouvé la poiscaille? Les mecs, j'arrive pas à sortir. Ok, par là peut-être. Oh, j'espère qu'on va pouvoir retourner au départ. Arrêtez. Oh non, mais c'est pas possible, je suis coincé. Je suis tellement perdu à l'intérieur. Il nous protège. Ok. Je sais pas si je vais réussir à retrouver mon chemin. Vous êtes au début? Vous avez réussi à trouver le chemin? Oui, on est au début. Ok, il faut vraiment que je trouve mon chemin. T'es proche, je t'entends vraiment de proche. Ok, donc c'est que je dois pas être loin. Ok, peut-être par là. Oh non, c'est pas par là. Ouais, non, là c'est la feinte. Ok, il faut que je trouve mon chemin. Ok. Oh, vous êtes là. Oh, tous les anomalies. Attention, les anomalies. Oh, ils sont là. Attention. Il s'est fait avaler. La poiscaille, il s'est fait attends, prendre. Attends, quoi? Il était juste devant, il était en train de nous protéger. Déjà, il sauve la poiscaille. Attends, mais là, il y a des anomalies. Attendez, il y a des anomalies, je crois. Ils sont tous là. Ils sont là. Oh, what? Ils sont là. Ok. Il faut qu'on arrive à sortir. Tuez-les. Oh, ils nous regardent. Ils vont nous attaquer. Oh, ils nous attaquent. Attention.
diversion. Ok, vous avez fait une faute. Ok, je cherche la poiscaille. Vous avez fait diversion. Ok, on peut sortir. Oh, what? Il y a clairement des sous-marins qui sont là. Ok. Il faut qu'on retourne à la tour. Ok, let's go. Allez, mec, je vous retrouve à la tour. Hein. Je suis désolé, mais je vous retrouve à la tour. Ok, il y a des sous-marins, ils sont tous là. Ok, la dinguerie. Ok. Je sais pas, c'est du monde. Ok, dans le labyrinthe. Et il faut qu'on retourne à la tour. Ok, let's go. Hop. Ok, non, pas par là. Oh, what? Attendez. Oh, je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je retourne au départ. Sauf que je vais jamais retrouver le début. Donc en vrai, je vais peut-être essayer d'y aller comme ça. Je sais que la tour, elle est par là-bas. Il y en a déjà qui sont à la tour. Est-ce qu'il y en a déjà qui sont réussis à rejoindre la tour? Oh, oui, c'est bon, je vois la tour. Ok, je vois la tour. Ça veut dire que je suis pas loin. Il y en a qui sont à la tour ou pas? Il y en a qui sont à la tour. Oui, je suis à la tour. Ok. Allez, c'est parti. Regarde, let's go. Dans le ciel, on t'envoie des signaux. Oh, ok. Je vois. Ok, let's go. Je vais retrouver. Je vais vous retrouver. C'est sûr, je vais vous retrouver. Je crois en moi. Ok. C'est bon, ok, par là, let's go. On va, j'y suis bientôt. Est-ce qu'il y a beaucoup de sous-anomalies? Vous voyez beaucoup de sous-anomalies? Beaucoup. Ils sont derrière beaucoup. Quoi? Oh, what? Ok. Je me dépêche, j'arrive bientôt à la tour. Ok. Ah, là, je crois que j'ai un accès à la tour. Ok, là, ça va être bon, je pense. Je vais arriver à la tour. Peut-être par là, sur le côté. Je sais pas par où je vais arriver à la tour, mais je pense que je vais pouvoir y arriver. Ok, par là. Ok, je vois le yacht. Ça veut dire que je suis vraiment pas loin. Let's go. Ok. Juste là. Ok. Oh, la tour, elle est juste là. Elle est juste à côté de moi. Oh, what? Non, je suis à côté de la tour, mais je peux pas rentrer par là. Ok, par là, peut-être. Un petit chemin. Il faut que je trouve mon chemin. Ok, c'est bon, je suis à la tour, je crois. Ouvre la porte. Oh, c'est bon, je suis. Attention, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, il va falloir qu'on monte à l'intérieur du coup de la tour. Venez, montez à l'intérieur de la tour. Il y a une anomalie dans la tour, faites pas vous ouvrir. Il y a une anomalie. Ok, je prends les armes. Je casse la porte. Ok, vas-y. Ok, je vois rien. Ok, j'allume ma lampe. On voit rien du tout, il y a trop de fumée. Ok, c'est bon, la fumée s'est dissipée. Oh, attention, il y a une anomalie. Oh, attention. Ok, tirez dessus. Oh, attention, je vais sortir. Ok, je suis plus dans la tour. Ok, je suis à l'extérieur de la tour. Oh, je vois rien, il y a tellement de fumée ici. Ok, il faut que j'arrive à monter. Ok, oh, il est juste là. Attention. Non, l'alien, tu vas te faire choper. Ok, ça va. Ok, hop, c'est bon, j'ai réussi à contourner. Ok, let's go, vas-y, on monte. Il y a des anomalies partout, j'ai l'impression. On va monter tout en haut. Ok. Let's go, on est en haut de la tour. On va voir ce qui se passe là-haut. Ok, les mecs, ça risque d'être énorme. On va voir tellement de anomalies, ça va être une scène et complètement épique. Je suis en haut de la forteresse. Est-ce qu'il y a beaucoup de anomalies? Oh, wow. Tirez. Il y a tellement de anomalies. Oh, on peut tous les apercevoir. Oh là là. Ils nous observent tous. Ils n'ont pas encore lancé l'assaut. À mon avis, ils vont lancer un assaut et ils vont tous venir vers nous. Oh, c'est bon. Ils ont décidé de bouger. Ils vont venir vers nous, c'est sûr et certain. Ok, let's go. Ok. Ils arrivent. Ok, regardez. On les voit, ils sont tous en train de bouger. Oh, arrêtez de tirer, on s'entend plus parler. Mais là, les gars, il y a tellement d'anomalies. On est entouré d'anomalies. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? Oh, regardez-moi tous ces anomalies. On peut pas sortir par ici. Attendez, mais est-ce qu'on pourrait pas sortir en sautant de la forteresse sur la muraille? Ah non, c'est trop compliqué. Là, c'est un peu le saut de la mort. Soit tu sautes et soit tu meurs. Ok. Il y a tellement d'anomalies, les mecs. Ok. Oh là, la dinguerie. Ils vont tous venir nous attaquer. J'ai l'impression qu'on a quelques-uns qui ont réussi à rejoindre la forteresse. Oh, what? Regardez tous les anomalies en bas. Oh, on est littéralement coincé au milieu de plein de anomalies dans un labyrinthe. Les hurlements effrayants. Attends, vas-y, je vais prendre la mitrailleuse et je vais commencer à mitrailler. Allez, vas-y, Diabolo. Il faut qu'on les ait. Ok. Ils sont en train de rentrer. Ils sont en train de rentrer en bas? Non. Ils sont en train de rentrer dans la forteresse. Il y en a un. Oh oui, il y en a un qui est là. Attention, il y en a un qui est juste là. Ok, je le vois. Il est juste là. Ok. Je vais lui mettre. Oh, attention, il m'a frappé, il m'a fait mal. Vas-y, tire-le dessus. Ok. Attention. Ok, je vais lui tirer dessus aussi. Il faut qu'on l'a. Ok, let's go. Ok, on l'a eu. Oh, il y en a d'autres qui arrivent. Regardez, ils sont tous en train de monter dans la forteresse. Oh, what? Non! J'ai tué l'alien! Bien joué! Il y en a qui sont là! GG. Il y en a qui sont là! Attention! Il faut qu'on monte! Les gars, il y a des anomalies partout! Oh là! Je suis tombé! Ok, oh là, non mais attendez, il y en a vraiment trop! Grenade. Je vais sortir! Ok, attention! Non! Je vais mourir! Je vais pas rester ici! Qu'est-ce qui se passe? Les mecs, je sais pas ce qui va se passer, mais on va clairement tous mourir ici! Ok. Ah, ils sont en train d'arriver. Ok, au secours. Au secours.
ok, attention, attention. Lui, je vais tirer dessus. Oh là 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 là, c'est tellement la mouise. Bon, les abonnés, on va tenter de survivre ici, mais ça va être très compliqué. Je pense qu'ils vont se barrer. Il faut qu'on utilise un yacht. Les yachts là-bas, il faut clairement qu'on les utilise. Attends, je vais essayer de faire le saut de la mort. Ok, let's go. Je saute. Ah, ah, je me suis fait mal. Ok, maintenant, il faut rejoindre le yacht sans mourir des anomalies. Ok. Bon, là, il va falloir que je saute. Bon. Ouais, attends, il va falloir que je fasse le saut. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai fait le saut. Ok, le saut ici. Ok. Oh là 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 là, ça va être chaud. Hein. Il faut pas que je meure des anomalies. Ouais, c'est dur. Si je tombe dans le labyrinthe, je suis littéralement mort. Et si on chope le yacht, eh ben, on sera peut-être bien. Ok. Oh, Croco, t'es tombé. Attends, je te récupère. T'es où? Tombé, vite. Non, le Croco, il est tombé. Ok, ok, ok. Je récupère. Là, donne-moi la main. Ah là, c'est bien, là, c'est bien. Ok, ok, je suis bien. On va pouvoir rejoindre le yacht. Let's go. Non. J'ai rejoint le yacht. Regardez, il est juste là. Il faut que je le rejoigne à la nage. Ok, ok, le ok. Pascal, sur le pont. Il est là. Attends, il est où? Il est où? Ok. Il est sur le pont du bateau. Mais non. Le Pascal. Il est là. Mais what? Pascal. Bon, bah, les amis, j'ai l'impression qu'on va jamais réussir à sortir de ce labyrinthe, mais on a trouvé un yacht. Bon, bah, les mecs. Nous voilà pour l'instant un petit peu à l'abri des anomalies sur ce magnifique yacht. Attention parce qu'il y a des anomalies poissons clairement à l'intérieur de l'eau. On vous tient au courant de comment on va réussir à sortir de ce labyrinthe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a deux vidéos qui s'affichent, choisis celle que tu préfères. What? Allez, let's go!